Le terme même de bénévolat demande certainement à être lui-même réfléchi. Euh, bénévolat, oui, en ce sens que cela veut dire de bonne volonté et, et qui fait un travail gracieux, bon, par définition. Mais il est évident qu'il faut aussi euh, peut-être enrichir la notion de bénévolat, en montrant que le, le bénévolat doit être un bénévolat efficace et qui ne se juge pas simplement à l'aune, je dirais, justement, de la bonne, euh, de la bonne volonté. Et, et là, je trouve qu'effectivement, dans la société, il y a peut-être insuffisamment de réflexion sur cette catégorie du, du, du bénévolat. Le problème essentiel, c'est justement d'être une économie où chacun trouve son compte on a parlé de, à côté de la quête d'utilité, de la quête de lien. ce qui est très fort dans l'univers, justement, des bénévoles comme les pompiers, c'est que le, le sentiment de corps, d'appartenance à un corps euh, et de, de temps passé ensemble est extrêmement, euh, est extrêmement important. donc, on peut dire que là aussi, il y a un lien direct entre le, ce qu'on est prêt à donner et puis ce que ça forme comme euh, comme société euh, probablement la démocratie participative elle est <coughs> désirée par d'un certain nombre d'institutions mais elle est désirée sous certaines formes seulement et on peut dire bah, la région la région rhône-alpes euh, avait tout un programme justement de démocratie participative il m'est arrivé de participer à un certain nombre de réunions qui m'ont laissé un des sentiments, je dois dire, à chaque fois très mêlés parce que euh, on avait l'impression qu'il y avait une un rituel un rituel de la participation qui qui n'était pas une façon profonde d'impliquer la société mais qui était une façon de de travailler avec une population de participants. Donc il y avait des représentants élus et il y avait des participants un peu professionnalisés euh, qui étaient un peu toujours les mêmes, et il y avait des conflits entre ce monde des participants et ce monde des représentants, et le monde des participants, euh, grosso modo, euh, euh, espérant prouver qu'il avait plus de légitimité que les, que les élus. Mais les formes dans lesquelles souvent s'est exprimé euh, montraient qu'on était loin d'action euh, pratique. On passait tout de suite à un niveau assez institutionnalisé. Et j'ai eu l'occasion d'observer les conflits qu'il y avait entre ces conseils de développement et des, et des élus, mais de toute façon, conflits qui laissaient un petit peu de côté, je dirais justement, la formulation d'attente de la, la de la population qui, qui présuppose de trouver des, des formes d'expression et des éléments de langage ne soient pas simplement ceux justement de la démocratie participative. et je crois que c'est là qu'est souvent une grande question. c'est comment établir le rapport de force pour des initiatives dont la légitimité n'est pas, disons, d'ordre procédural ou institutionnel. le rapport de force, la grande différence, c'est qu'il a, c'est dans la légitimité. il y a deux façons de construire une légitimité. Soit la légitimité, elle est donnée par une procédure institutionnelle, soit la légitimité, elle fait ses preuves, je dirais, socialement, par la reconnaissance sociale qu'une qu action euh, rencontre, par la mobilisation qu'elle peut, qu peut susciter. Dans la pratique, effectivement, il y a toujours la crainte de l'institution de, de voir une légitimité concurrente. Or, je pense que la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est qu'il existe des légitimités concurrentes et que ces légitimités concurrentes puissent, puissent vivre. Et s'il n'y a pas de légitimité concurrente, euh, bah, voyons-le au niveau le plus national, alors à ce moment-là, c'est euh, l'étouffement. C'est la, la démocratie qui, euh, qui n'est plus vivante, tout, tout simplement. Dans Une démocratie, un élu doit aussi avoir cette fonction de représentation de faire vivre en quelque sorte la, la démocratie. Donc, euh, et d'ailleurs, ça peut être gratifiant pour un élu de sentir euh, qu'il est quelqu'un qui fait vivre la démocratie parce qu'en retour, s'il le fait vivre, euh, il accroît son soutien, euh, il a le soutien de la, de la population. Et au fond, il y, y a deux modèles il hein. y a le, on peut dire, pour l'élu, il y a le. Le modèle de la légitimité par la reconnaissance de euh, l'écoute que l'on a vis-à-vis -vis de la société, et puis il y a l'autre modèle qui est celui euh, un peu du, euh, du bon seigneur féodal. Quoi, euh, il y a un peu les deux modèles qui existent. Il y a des régions qui ont prospéré avec des grands seigneurs féodaux, bon, euh, enfin, qui ont prospéré généralement, c'est les régions où il y a eu aussi des dérapages budgétaires très importants. Bon. Mais ça, c'est autre chose. Comment varient les taux de participation à des réunions en fonction de la perception de euh, l'intérêt immédiat qu'on a à cette euh, décision On voit bien que si on organise une réunion très générale sur l'avenir d'un quartier, on aura un taux de participation qui peut être assez faible. Mais si on organise une réunion sur quelque chose de très précis, on peut avoir des taux de participation qui sont extrêmement euh, élevés. Donc, euh, c'est cette connaissance aussi qu'il faut, euh, qu faut avoir. Euh, à des élections, parfois, il y a très peu de votants. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas le sentiment que l'implication de chacun est, euh, est importante. Donc, voyons bien que le. La, le, le taux de participation, le taux de mobilisation, les raisons de l'implication, euh, la démocratie, c'est pas simplement dire euh, que tout le monde participe, c'est de trouver le rapport entre participation, implication et intérêt, euh, intérêt des, des gens. La mise en la mise en commun, elle, elle produit des effets parce que euh, on se sent euh, on se sent impliqué, on sent que c'est important, on sent que ça produit quelque chose pour euh, pour chacun.